Saviez-vous que la campagne d'Amour et d'eau pure a déjà touché plus de 14 000 personnes? Ben, bonjour, mon nom est Mathieu Chevrier, je suis enseignant en plein air et mon amour, c'est le plein air. Je m'appelle Lynne Trépanier, je suis infirmière scolaire à la Polyvalente et à la Calypso. Et moi, mon amour, c'est la santé des gens. Oui, bonjour, mon nom est Ulrich Chérubin, je suis maire de la ville d'Amos et mon amour, c'est ma ville. Bonjour, mon nom est Aline Gina. Ma passion, c'est le hockey. Nous sommes allés rencontrer nos ambassadeurs afin de mieux les connaître. Ben, c'est l'affiche de Luc Mathieu, parce que je vois Luc travailler tous les jours et je sais que c'est un gars qui est passionné. L'affiche le représente bien, le grand sourire avec son orchestre et le doigt qui claque. Donc, je pense que c'est vraiment lui ça le représente. La première que j'ai vue ou que je me rappelle, c'est celle de la famille Sills, des gens que je connais un petit peu. Puis, dans le fond, je trouvais ça intéressant qu'ils nous parlent de leur vie de famille ici, dans Amos Région, puis ils nous disent comment ils sont bien, etc. Et le fait que je travaille dans les écoles, bien, c'est sûr que les affiches qui m'ont tout de suite interpellée, c'est celle de Luc Mathieu, qui travaille ici comme enseignant, Mathieu Chevrier aussi, Kevin Lacombe, dont je connais bien la famille, qui nous parle aussi de sa passion, le sport, qui a commencé ça ici. Donc, rapidement comme ça, c'est ceux que je me souviens qui m'ont beaucoup intéressée. Et j'ai découvert beaucoup de personnes aussi via ces affiches-là. Un autre ambassadeur que j'aime aussi, c'est M. Vincent Cloutier de l'Université, parce que nous savons de plus en plus l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, pavillon d'Amos. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout faire leurs études ici et étudier en hydrogéologie. L'autre affiche qui m'a touchée beaucoup, c'est l'affiche de François Sills et sa famille. La famille occupe une place super importante dans ma vie. Elle me rejoint et c'est un monde sportif aussi, c'est une famille sportive. Et le fait qu'ils reviennent parmi nous après avoir parti pendant plusieurs années démontre à quel point la ville a été importante pour lui dans sa jeunesse et maintenant. La campagne d'Amour et d'eau pure est une campagne de sentiments de fierté et d'appartenance à notre MRC, la MRC d'Abitibi.